Bonjour, bienvenue YouTube, c'est Petit Chinois Nancy. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Let's Build de Tarallian. Voilà, t'as carrément bien capté le titre. En tout cas, tu peux le lire dans la description. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer le château avec le petit pattern très grand que je vous ai dit. Et c'est parti! Here we go, bitch! Regarde, telle une entrée à la Zoro. Bim! Regarde-moi ça, fidèle destrier. Boum! Oh merde, je me suis planté. Comment on monte dessus? Ah voilà. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire cette partie-là de la construction. Tout simplement. Comme promis, hein, donc je vais faire, je pense, le build sera avancé tout simplement ici. Hein, c'est-à-dire que ce sera comme ça. Il y aura une liaison, bim, directement. Comme ça. Et du coup, ce sera un pattern qui va ressortir par rapport au reste. Et ça devrait normalement bien le faire. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça le fera bien. Si ça le fait pas, tu me dis en commentaire, tu fais P2. P2. Déjà P2. P2 bâtard. Tu sais pourquoi P2 bâtard? Là, je vais t'expliquer. Parce que P2, tu ne mets pas le texture pack, hein. Je sais, je mets pas de texture pack, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pourquoi tu t'énerves? Non, sérieusement, je mets pas de texture pack pour la simple et bonne raison que j'explique en fait tout le temps. C'est que comme ça, quand tu vas découvrir la carte, quand tu vas découvrir la carte chez toi, avec tout ton confort alcoolique ou non alcoolique, ça dépend. Eh bien, tu pourras. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé, n'abusez pas. Oui, vous savez, le gouvernement français va contacter, va dire P2, il va falloir arrêter que tu parles de. Il va falloir que tu commences à arrêter de parler de drogue, hein. Ça va pas, hein. Tu incites les jeunes à faire des conneries. Non, non. Mais ouais, en vrai, pourquoi j'utilise pas le pack de texture? Bon, tu vas me dire, oui, le pack de texture, il est moche. Là, je suis désolé, ça rend quand même plutôt bien. On est d'accord, ça rend bien, malgré le fait que le pack de texture, de base, tu le trouves moche. Mais, imagine avec un pack de texture. Alors, ce qu'on va faire, à la fin de la vidéo, au lieu de mettre les shaders, au lieu de mettre les shaders, je vais mettre un pack de texture. Je vais mettre celui de la Deep Academy. Si tu le cherches, il est dans la description. Voilà, je te le dis tout de suite. Et qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, on va regarder un peu aux alentours comment ça se déroule. Ouais, alors pourquoi je peux pas mettre les deux? Vous avez peut-être pas suivi, mais je peux pas mettre les packs de textures. Oh, regarde, je peux pas mettre un pack de textures et les shaders parce que mon Minecraft il lag, mais comme pas possible. D'ailleurs, là, je trouve que c'est pas des plus fluides. Mais enfin, bref. Et donc, on regardera ça avec les packs de textures pour te faire plaisir, toi, petit abonné, qui demande ça depuis un moment. Bien que bon, j'aurais aimé, je te le dis, j'aurais aimé. C'est parce que c'est toi, hein. Parce que c'est toi, je le fais, hein. Mais si ça aurait été quelqu'un d'autre, je t'aurais envoyé balader. Mais non, j'aurais aimé bien sûr garder la surprise, mais tu as décidé de spoiler tout le monde. Oui, de les spoiler, spoiler, putain. Du coup, si vous avez quelque chose, si vous devez vous plaindre envers quelqu'un, vous devez vous plaindre envers lui, parce que voilà, c'est sa faute. Sa faute. Mais bon, on ira quand même voir, enfin, ça change rien. Et puis ça sera sur les shaders, donc il te manquera toujours. Il te manque. Oh attends, qu'est-ce que j'ai branlé là? En tout cas, c'était pas moi. Il te manquera toujours quelque chose pour avoir l'entièreté du truc. Soit ça sera avec les shaders, soit ça sera avec un pack de textures. Voilà, fais ton choix. Fais ton choix, mon. Bon, en vrai, je vais reprendre à peu près le même concept que sur le côté. Donc, je vais faire 4. Sauf que je pense que on va faire une petite subtilité. On va descendre, tu vois. Histoire de changer. Parce qu'on n'aime pas forcément faire tout le temps les mêmes choses. Ah, vous savez pas quoi? Je viens d'aller voir là, mais mon profil Xbox Live. Parce que oui, j'avais une Xbox dans le temps. Dans le temps! Mais maintenant, j'en ai plus. Maintenant, j'en ai plus, malheureusement. Quoi que tu me diras, c'est pas plus mal. En vrai, non, n'empêche, quand j'avais une Xbox, si j'avais pu faire des vidéos, il y aurait eu tellement de vidéos. Il y en aurait eu tellement. J'étais un vrai geek. Un vrai geek. Mais tu me diras, ça n'a pas trop changé ça. Mais putain, j'en faisais beaucoup. Bah, tu veux pas te casser toi là? Casse-toi, dégage! Rentre chez ta maman! Go away! You son of your mother! Tiens. Bref. Il y avait quand même beaucoup de jeux. Tu sais, j'avais plus de 47 jeux sur Xbox. Tu vas dire, ouais, mais c'est pas beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. Mais pour en ayant eu 2 ans une Xbox, quand même, oui, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Du coup, voilà, la prochaine console que j'achète, c'est une Xbox. Voilà. Je te dis pas pourquoi, parce que forcément j'ai un profil. Et du coup, il y a des jeux qui m'ont marqué. Il y a des jeux qui m'ont marqué sur Xbox. Comme Halo, le grand classique des jeux vidéo.
de Microsoft, enfin, malheureusement, heureusement, ou je sais pas, ça dépend de ton point de vue. Mais Halo, putain, j'ai kiffé. Hein. Halo, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai tellement kiffé. C'était un de mes jeux préférés. C'était même un de mes jeux préférés. Je t'ai dit, j'ai fait des sessions, genre dessus, j'arrivais, hop! Je sais pas, j'étais bon à ce jeu. J'étais vraiment bon à ce jeu. Mais bon, c'est une expérience passée. C'est un temps révolu! Voilà! Un temps révolu qui ne reviendra jamais! Parce que les nouveaux Halo, ils me déplaisent tellement, ils sont tellement mauvais, on dirait des Call of. Tu vois ce qui faisait l'essence des Halo? Ah, y a, attention! On est parti sur un fan mode. Ce qui faisait l'essence des Halo, c'était comment on appelle ça? C'est le fait qu'en fait, quand tu commences le jeu, t'as tout autant de tes chances qu'un mec qui commence pas le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu faisais des matchmaking sur Halo, je sais pas, je vous explique pour ceux qui connaissent pas forcément. Ceux qui connaissent, vous en battez les couilles. Bon, pas grave. Quand tu faisais des matchmaking sur Halo, tu commençais, il y avait genre deux classes à choisir. Voilà, au début, les deux classes étaient équilibrées. Et tu te mettais sur la gueule avec les deux classes, par exemple. Ben, c'est ce que je faisais. Ou alors tu faisais des armes. Enfin bref, tout le monde avait sa chance. Mais là maintenant sur le Halo, j'ai pu jouer vaguement au Halo 4, je crois, avec un pote. On avait fait la campagne, on s'amusait à faire la campagne. Tu vois ça déjà, franchement, en vidéo, faire la campagne à deux, ça aurait été une tuerie. Ça aurait été une tuerie. Ils auraient kiffé. Moi aussi, je kiffais ça. On s'attendait pour faire la campagne. C'est qu'à un moment donné, j'avais plus d'Xbox. Mon pote, il a acheté les derniers Halo. Il voulait qu'une chose, c'était jouer. J'ai fait non, tu m'attends, bâtard. Tu m'attends, bâtard. Oh! Tu prends pour qui là? T'as cru que t'allais jouer sans moi? Hein? T'as cru que t'allais jouer sans moi? Non, mon gars, tu joues pas sans moi, tu m'attends. Ouais, mais P2 bâtard. Non, je m'en bats les couilles. P2 bâtard si tu veux, mais tu m'attends. Du coup, il m'a attendu quand même. Hein. Il m'a attendu. J'ai essayé de refaire ça pour Halo 5, sauf que vu qu'il est en France, il m'a dit, mais oh, pas déconner là. Tu reviens quand? Dans un an, c'est ça, ouais. Je vais attendre de jouer à ma campagne Halo pendant un an? Non, mais va te faire foutre, P2. P2 PD. P2 gay. P2 gay. Non, pas P2 gay. P2 pute. Pute, voilà. Voilà. Bon, du coup, il m'a pas attendu pour le dernier Halo. Mais ouais, ça aurait été un truc de malade. Bah, je suis un grand fan de la série Halo. Enfin, j'étais un grand. En tout cas, l'histoire est bonne. L'histoire, elle est bonne. Elle est bonne, l'histoire. L'histoire, elle est bonne. Ah, putain, qu'elle est bonne. Ah oui, bon. Sinon, après, ouais. Le multi a été gâché. Le multi a été gâché maintenant. Enfin, moi, franchement, quand j'ai joué à Halo 5 en multi, j'ai tout de suite dit, bon, ok, c'est de la bullshit. Je suis désolé, j'adore Halo, mais là, on va pas donner à César ce qui n'appartient pas à César, tout ce que je veux dire. Ah ouais, à un moment donné, il faut une justice. Et là, c'est absolument hideux. Ils ont pété le multi de Halo. Bref, c'est comme ça. Sinon, un autre jeu que j'ai kiffé, c'était bien sûr le GTA V. Enfin, tu vois, il y a plein de jeux comme ça où t'as passé des heures. Toi aussi. GTA 5, GTA 4, pardon. GTA 4, putain, je me fais des conneries dessus. Mais bon, on verra ça. Franchement, si je me rachète une Xbox, si je me paye un HDTVR, ou je sais plus comment ça s'appelle, on va faire des vidéos dessus. On va faire des vidéos dessus. Je vous le dis, attends. Pourquoi j'ai pas mis ça au même niveau, mais je suis un crevard, moi. On va faire des vidéos dessus, moi je te le dis. Hein. Que je sois d'accord ou non, m'en bats les couilles. Hein. On fera des vidéos dessus. Je ferai des vidéos de campagne, des trucs de malade, mais on fera des vidéos dessus. Hein. Y a pas à chipoter 4 ans. Hein. Ah non. Attends, tu sais ce qu'on devrait mettre là? C'est ça. Parce que ça c'est bien. On va le mettre un peu plus grand du coup. Puis un autre jeu que j'avais kiffé aussi, parce que voilà, je suis parti dans mon délire, moi je parle de jeu, hein. C'est Fable, bien sûr, Fable. Bon, Fable 3, c'est de la merde. Franchement, j'ai pas adhéré à Fable 3. Fable 2, j'ai kiffé. J'ai tous les succès dessus, il me semble. Tous les putains de succès de ce jeu, hein. Tu peux aller checker mon profil Xbox Live, c'est petit chinois DNC aussi. Exactement orthographié pareil, voilà, je suis partout. Tu vois un petit chinois DNC? C'est moi. En général, c'est moi. À moins qu'il y ait un petit coquin qui est venu me chaparder. En général, c'est moi. D'ailleurs, je joue à un jeu là, actuellement. Un jeu genre, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous avez connu ce genre de jeux qui sont sur internet, qui sont genre des jeux de, mais je dirais de stratégie gestion. Ouais, stratégie gestion à la Icarium. Parce que moi, ouais, à mon époque, c'était ça, tu vois. Genre, on était au collège, et c'était ça. C'était genre, ouais, tu joues à Icarium, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un petit jeu sur internet, ok. Genre, ok, bon, non, je joue pas à ça. Du coup, j'ai testé. J'ai testé et c'était marrant. Icarium, c'était en fait un. J'ai testé un jeu qui s'appelle Icarium.
C'était genre dans le passé. Un autre jeu qui s'appelle Gray Police. Et un autre jeu qui s'appelle O-Game. O-Game, j'ai kiffé. O-Game, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Je te le dis, hein. Je te le dis, j'ai kiffé O-Game. C'est des petits jeux sur internet comme ça. Et bah, du coup, là, j'en rejoins un autre. Histoire d'être nostalgique à donf. Et ce jeu, il s'appelle comment? C'est un petit jeu sur portable. C'est. Merde, Clash of. C'est pas Clash of Clans, c'est un autre truc. C'est Clash of Kingdom, je crois. Ouais, c'est Clash of Kingdom. Putain, j'ai rejoint une alliance, on est en train de défoncer des gars. On dirait Mike Tyson, tu sais. T'arrives comme ça, tu fais. Le mec, il vient de commencer le jeu, t'arrives avec ton armée comme un bâtard, parce qu'il faut qu'on nettoie la zone. Et on le défonce, tu sais. C'est genre, ouais, moi je débute. Tu débutes la boxe. Ok, Tyson, viens. On va introduire le petit jeune à la boxe. Comment? Comment? Mais pourquoi vous envoyez Tyson dans la gueule? Parce que on est des bâtards. Ah, d'accord. T'es deux bâtards? Exactement. T'es deux putes? Oui, exactement. Arrêtez de m'insulter quand même, ça commence à faire beaucoup. Bon, en vrai, c'est pas terne. Ça fait strike quand même. Ça fait strike. Je pense qu'on va refaire cette partie au milieu. On va refaire cette partie au milieu pour qu'elle soit un peu mieux. Parce qu'en vrai, elle est pas assez large. Il faudrait qu'elle soit aussi large que là. Voilà. Aussi large que T-Bone Shape, tu vois. Et, oui, je cite les gens comme ça. Alors. Aussi large que là. Et puis, ça devrait bien le faire. Comme ça, on va avoir un truc massif. Massif central, Pyrénées, toi-même tu sais. Et puis, ouais, regarde, hop, 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 ça je vais virer. Comme ça, on va faire un petit arrondi. Un petit arrondi qui va bien le faire. Ça devrait envoyer un steak sur la Lune. Ouais, on aime bien la Lune. La dernière fois, c'était Mars. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur la Lune. Parce que bon, nostalgie, je t'explique. Hein. Nostalgie. Oh, oh. Oh, tu connais Forza? Tu connais Forza, mon gars? Forza, c'était excellent, ce jeu. Ouais, bref, il y a plein de jeux comme ça. D'ailleurs, tu devrais me dire dans les commentaires quel jeu t'a marqué le plus dans ta jeunesse. Moi, en vrai, c'était Alice au Pays des Merveilles. Non, je déconne, ça. Je sais même pas si ça existe, ce jeu. Ça doit exister, en vrai. Mais ça doit être une grosse zone. Regarde, hop, 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 hop. Je suis en train de travailler sur mon... Ah, c'est mieux là! C'est mieux! C'est mieux! Tu vois, j'aime bien faire comme ça, j'arrive, je fais de la merde. En disant de la merde, parce que c'est le concept de la chaîne en fait. Toi, tu es en train de te dire chez toi, mais putain, mais P2, P2, mais qu'est-ce que tu branles? Mais t'es mauvais! Comment puis-je te suivre? Ben, je sais pas. Comment puis-je te suivre? Ah, là, je suis parti sur un concept. Double croix, incorporate. What you gonna do? Nothing, dude! Voilà, on part sur de la conceptualisation, on part sur de l'inception de croix. En anglais, on dira Inception Cross. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je suis bilingue aussi. Tu sais que des fois, véridique, ça m'est arrivé hier d'ailleurs, dans la douche, parce que dans la douche, je pense beaucoup. Hein. Certains se masturbent, moi je pense. Mais des fois, c'est la même chose. Et du coup. Du coup, j'étais comme ça, je me suis amusé à remater mon live, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, Periscope, pour voir juste les commentaires, parce que je voulais voir du coup les commentaires qui étaient soi-disant haineux. Du coup, je suis allé voir, je suis tombé sur le gars qui faisait ça, je pense que c'était lui. Et je me suis dit, mais c'est débile, c'est un DJ qui complain about en français s'il vous plaît, c'est un DJ qui se plaint par rapport à un autre DJ, mais c'est complètement débile, c'est débile, genre le mec est en mode, oui, mais tu n'es pas un vrai DJ, tu utilises un contrôleur, oh là là, t'es vraiment mauvais, tu tournes des boutons, comment ça, mais qu'est-ce que tu fais, tu utilises des turntables, alors les turntables, ça va voir, c'est des tables de vinyle, vous savez, c'est vraiment l'essence même du mix, c'est-à-dire que ça vient de là à la base, c'est l'origine même du mix. Des DJ, c'est ceux qui utilisaient les turntables qui étaient les premiers. Je vais pas vous le cacher, hein. Je suis d'accord avec ça. C'est d'ailleurs un truc qui me ferait kiffer d'utiliser, parce qu'à mon avis, les sensations, mon gars, tu vois, tu parles de la masturbation au vrai. Oh putain, ça me fait marrer. Tu passes de la masturbation à l'étape supérieure, tu vois, tu passes de la masturbation, bim, direct, tu deviens un homme. Enfin, tu deviens un homme. Pff, si c'était limité à ça. En vrai, ça change rien, je le dis hein, tout de suite. En vrai, tu t'en bats les couilles, mais bon, c'est pas grave. Tu passes de la masturbation à. Comment on appelle ça? À l'étape supérieure. C'est-à-dire que tu arrives vraiment dans un truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vraiment une partenaire. Ou un partenaire, ça dépend de tes orientations.
ou une partenaire aussi. Enfin bref, tu m'as compris. Et du coup, ça change. Et les turntables, c'est, je pense que ça doit être ça. Mais bon, bref. Et le gars, en vrai, en gros, je t'explique l'histoire. Il complaint parce que je mixe sur des contrôleurs. Je veux dire, c'est complètement con. C'est deux instruments qui te permettent de mixer. En gros, c'est ça. C'est comme si un mec utilisait du piano, allait dire, ah, attends, toi, tu fais de la trompette. Tu fais de la trompette. Non, mais je t'aime pas. C'est de la merde. Comment ça, c'est de la merde? Mais c'est un instrument de musique. Et alors? Mais on fait tous les deux de la musique. On est tous les deux passionnés par la musique. Pourquoi tu complains? Pourquoi t'es con comme ça? T'as rien comme ça, tu fais. Mais P2? Et P2? Excuse-moi, excuse-moi. T'imagines, t'abordes les gens comme ça dans la rue? P2? Excuse-moi, monsieur. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi t'es con? Quoi? Comment? Comment? Mais pourquoi tu m'insultes, toi? Ah là là, je m'amuse. Franchement, je m'amuse. Je m'amuse. T'imagines pas comment je prends mon pied. Et hop, je tiens mon pied. Tu vois? Tu vois pas, en vrai. En vrai. En vrai, tu vois pas parce que j'ai pas de cam. Enfin, si j'ai une cam, je m'en utilise pas. Parce que en vrai, sur Facebook, sur. Ah, damn it! Sur Minecraft, on se rend pas les couilles de voir la gueule du gars. Enfin, je sais pas, peut-être que vous voulez voir ma gueule, je sais pas du tout. Mais... Bon, je veux dire, tu vas me voir regarder un écran en train de parler. Bon, c'est vrai qu'en général, je parle beaucoup. Enfin, je parle beaucoup. Je gesticule, en fait, quand je parle. Mais bon, si tu kiffais à me voir gesticuler, tu me dis. Tu me dis, on s'arrange pour la prochaine vidéo, ou les prochaines, ça dépend si je suis en trompe d'avance. On s'arrange, tu vois, tu me le dis. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt plus que ça, ouais. Mais tu me le dis. Parce que ce que tu me dis, des fois, je le respecte. Des fois, je le respecte. Pas tout le temps, parce que des fois, j'ai pas envie, tu vois, mais des fois, je le respecte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du patin? Ça rend bien. Ça rend bien. Ça rend bien, franchement. Ce qu'on pourrait faire, à part être le fils de ta mère, c'est. T'as vu ça? Ça passe crème. C'est pas une insulte, mais ça sonne tout comme. T'as pas l'impression, franchement. Le mec qui vient comme ça, il fait hey! Espèce de fils de ta mère! Comment? Mais pourquoi tu m'insultes? Mais je t'insultais pas. Et pas le fils de ta mère. Ah si. Ah si, effectivement. Ah ouais, d'accord. Ah ok, non, moi, okay, j'ai rien dit. Tu vois? C'est genre une insulte qui n'est pas une insulte. C'est magnifique. Ça, c'est le genre de choses que tu devrais te servir. Alors, comme dans les ronds-points, quand tu te fais couper la route. Les ronds-points, les gars. Quand vous passez votre permis, si vous l'avez déjà, vous allez apprendre à les faire bien comme il faut. Je ne vous dis pas que vous êtes mauvais, mais je vous préviens. Si j'apprends par X ou Y, voire même Z, parce que Z, c'est un malade, que tu as coupé la route d'un mec en rond-point et que tu es en tort et que tu as klaxonné pour ensuite aller l'insulter au feu d'après, ce qui m'est arrivé. Il m'arrive plein de choses. Il m'arrive plein de choses. C'est marrant. Franchement, en vrai, sur la route, je sais pas. Ça va être ma façon de conduire. J'ai une façon de conduire assez agressive. En fait, j'accélère fort. Et ma voiture, elle fait un gros bruit. Elle fait un gros bruit. Je sais pas pourquoi elle fait du bruit. Et les mecs, ils ont tendance à péter des câbles sur moi. Ils sont, ouais, mais pourquoi tu m'as doublé? Mais écoute, mec, je t'ai doublé. Enfin, je sais pas. Tu étais en train de pinailler. Moi, j'en ai marre de rester derrière des mecs qui pinaillent. Moi, je double. Voilà. Et sérieusement. Sérieusement, la façon de conduire, elle joue énormément sur le comportement des autres automobilistes. Je te jure, je te jure. Je les capte, les mecs. Genre, lui, tu vois, je le regarde, je vois juste du coin de l'œil. Juste du coin de l'œil, tu vois. Et je fais, lui, il va me faire une queue de poisson. Et tu sais quoi? Le mec, il me fait une queue de poisson. Et je fais, mais pourquoi? Apprends à conduire. Apprends à conduire. Enfin, je veux dire, voilà. Donc voilà. Si Z, parce que Z, c'est un malade, comme je viens de te le dire. Il vient, il me dit. Ouais, il y a Jacqueline du 31 ou Roger du 92 qui a doublé comme un bâtard. Comment ça? Écoute Jacqueline, écoute Roger, qu'est-ce que je t'ai appris? Qu'est-ce que je t'ai appris? Bah, rien, je t'ai appris à construire. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, parce que tu peux faire une comparaison entre le build et la conduite. Et là, tu vas me dire, vas-y, explique, vas-y. Vas-y, P2, explique. Comment tu t'en sors de ta merde là, que tu viens de créer? Eh ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est vrai que là, je suis bien dans la merde, parce que j'ai aucune idée de comment m'en sortir. Mais ce qui est beau avec la vie, c'est que je fais, eh ben, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Comme le gars qui complaint, tu vois. Les gars qui complaint. Regarde, regarde. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. YouTube, c'est pas facile. Oh, sérieux? YouTube, c'est pas facile. Non, sérieux. Non, non. Un truc vrai. C'est que dans la vie, tu vas tout le temps. Tu auras tout le temps des gens qui seront contre toi. Passe pour X ou Y raison, et ça, tu peux rien y faire. Je veux dire, moi, c'est pareil. Il y a des gens comme ça, je les vois dans la rue. Ils m'ont pas parlé, hein. Ils m'ont pas parlé, ils m'ont rien dit, ils m'ont même pas salué, ils m'ont même pas regardé. Mais c'est juste comme ça. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, ça a dû déjà te le faire, mais moi, ça me l'a fait. Il y a des gars comme ça, j'aurais jamais parlé, mais
tu les sens pas. Juste tu les sens pas. C'est pas méchant, hein. C'est juste que dans, comment on appelle ça? En termes d'hormones, ça passe pas, tu vois. Tu le captes comme ça, tu es tel un animal, tel un chasseur. Tu le sniffes comme ça et tu fais, non, toi je t'aime pas. Comment ça tu m'aimes pas? Mais je t'ai rien fait, je t'ai pas parlé. Et je m'en bats les couilles, je t'aime pas. Ah, d'accord. Non mais comme ça. Ouais, non mais ouais. Ouais, moi franchement ça me le fait, hein. Ça me le fait. Toi aussi ça doit le faire. Et ben voilà, il y a des gens comme ça. Bon après sur Internet ça arrive plus souvent bien sûr, puisque voilà c'est Internet. Putain d'avion. Et d'ailleurs en parlant d'avion, cet aéroport qui passe au-dessus de moi là, c'est qu'en vrai, il est pas aux normes cet enculé. Ah oui, je suis cru. Il est pas aux normes. C'est-à-dire qu'il y a une route qui passe à 25 mètres de la piste d'atterrissage, mais tout va bien. Tout va bien, mais on ne le fait pas fermer. Pourquoi? Parce qu'on attend le premier accident. C'est magnifique. Bienvenue dans la puissance donnée au peuple. Ah là là, c'est beau la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Hop là, atteinte au droit d'auteur. D'ailleurs, en parlant d'atteinte au droit d'auteur, si vous voulez utiliser une de mes musiques, parce que vous savez que je fais de la musique, ou une de mes vidéos, il faut savoir que c'est en free, comment on appelle ça? En utilisation free. Je veux dire, enfin moi je parle du principe que si je m'expose sur Internet, c'est un choix que j'ai fait, on est d'accord? C'est-à-dire que si ma gueule, je la mets sur Internet, que tu veux prendre ma gueule, faire des YouTube poupes, je ne sais rien ce que tu veux faire avec, ou mettre de la merde dessus, pas grave, je veux dire, fais-le, moi ça va m'amuser. Moi ça va me faire kiffer. Ouais. Et puis je veux dire, je connais les risques, enfin je veux dire, si tu t'exposes sur Internet, t'assumes le fait que des mecs puissent prendre tes vidéos pour les détourner. Je veux dire, c'est normal. Tu vas pas venir mettre atteinte au droit d'auteur et à la vie privée. Comment ça, atteinte à ta vie privée? On va ta gueule, ok. Mais je veux dire, ta gueule, tu as choisi de la mettre sur Internet, on est d'accord? Enfin, tu vois, ça, ah, c'est du bon sens. Enfin, d'après moi, c'est du bon sens. Mais voilà, tout le monde n'a pas le même bon sens que moi. Après, vous me direz, mais P2, P2 m'a été complètement con. Peut-être que je suis complètement con, mais moi c'est ma façon de penser. C'est ma façon de penser. Et ma liberté de penser. Voilà, c'est tout. Vous ne prendrez pas ma liberté de penser. Ça fait deux fois que je fais cette blague. Va falloir se renouveler un peu. Ça avance bien? Alors c'est toujours dans le même genre, hein. Bien sûr, là c'est un pattern qui monte, qui monte, qui monte. Et ensuite il y aura un petit toit. Un petit toit, mon toit. Wow! On papote, mais le temps il défile, hein. Il va falloir que je me calme, hein, parce que surtout que là, j'ai pas fait de coupure, hein. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc ce que je te propose, c'est qu'en fait, on fasse pas le toit, voilà. On se torche avec le toit, parce que le toit, ça va pas être intéressant, en vrai. Je vous en ai déjà fait un ou pas? Je sais même plus. Si, je vous en ai déjà fait un, donc on s'en bat les couilles. Voilà, donc. Ah tiens, je me fais marrer. Tu vois, le plus important, le plus important. C'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos, hein. Parce que peut-être que je vous ai jamais expliqué, mais j'avais arrêté les vidéos parce que j'avais plus ce truc. J'avais plus le petit truc qui faisait qu'il y avait plus la flamme dans son regard, tu vois, il y avait plus la passion. Et faire une vidéo, enfin, franchement, tu regardes un mec qui fait des vidéos sans passion, tu te fais chier. Enfin, moi, personnellement, je me fais chier. Donc voilà, il faut. Moi, je veux kiffer quand je fais des trucs. Toi, tu veux kiffer quand tu regardes des trucs, parce que là, moi, je suis là pour te faire kiffer. Je suis là pour te montrer des belles choses. Tu peux essayer. Et aussi pour, merde, et aussi pour te faire kiffer. Fuck it. Ah, damn it! Voilà. C'est-à-dire que bon, si je suis là en train de te dire, bon, alors là, voilà, on pose des blocs, c'est cool, entertainment, voilà. Là, voilà, je pose des vitres, elles sont noires. Enfin, c'est pas vraiment noir, c'est plutôt gris, gris foncé, transparent. Voilà, c'est cool. Voilà, Raoul, Jean-Jacques, Istanbul, attentat. Non, ça c'est pas un sujet de déconnade, bien que ça pourrait être. On va éviter de déconner. Voilà, là j'ai envie d'enlever ces blocs. Je te montre un peu l'exemple de ce que ça fait une vidéo comme ça. Voilà, on va mettre une forme de carré et puis une forme de croix incorporée dedans. Voilà, c'est cool, entertainment. Voilà, on s'amuse énormément. En fait, j'aime pas cette forme, donc je vais la retirer. Et puis on ferait, je vais mettre une sorte de toile qui descend comme ça. Parce que entertainment. Voilà, c'est génial, on s'amuse, rigole, rigole, rigole toi derrière ton écran. T'imagines mon gars, si c'était comme ça, je veux dire, bon, ça serait un petit peu chiant quand même. Ça serait un tout petit peu chiant. Non, moi je suis là, bim, hop, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, on va le faire asymétrique.
On va le faire asymétrique. Utilité 0. Voilà, je te le dis tout de suite, utilité 0. Mais bon, on le fait quand même parce que voilà, on aime bien ça, on kiffe, toi-même tu sais. Et comme je te le dis toujours, le plus important dans la vie, c'est de kiffer. Je veux dire, si t'as moyen de vivre de ta passion, mon gars, vis ta passion. Moi, mes parents, ils me disent, oui, mais P2, mais si tu veux vivre de ta passion, c'est de la merde. C'est de la merde, tu vas être mal payé. Allez, alors, c'est ma passion. Je veux dire, c'est mon choix de vie, non? Alors, si je suis mal payé, mais en vivant de ma passion, enfin mal payé, si ça me permet de vivre quand même, parce que faut quand même que ta passion te permette de vivre. Mais bon, je veux dire, si t'es mal payé par ta passion et que tu kiffes ça, je veux dire, tant mieux. Alors, personnellement, j'ai pas envie de faire un job où je me fais chier. Attends, ton job, c'est toute ta vie quand même. Hein. Ça va durer au moins 30 ans, surtout avec l'avancée de l'âge de la retraite. Donc, l'avancée, plutôt le reculement de l'âge de la retraite. Donc, mec. Je veux dire, t'as pas envie de te faire chier toute ta vie, hein. Donc kiffe ton job, regarde. Kiffe-le ton job. Bon, mais fais gaffe aussi que ta passion déborde pas trop sur ta vie privée. Donc, hein. Faut pas non plus que tu aies peur passion pour ton job, tu en perdes ta vie privée. Il y a des gens que ça, à qui ça arrive et ça pose des problèmes. En termes de ta vie familiale, faut pas tout délaisser non plus. Donc voilà. Bon, voilà. Donc qu'est-ce qu'on avait promis? On avait promis un pack. Donc voilà, pack de textures de la Deep Academy. Hop, bim. Download dans la description. Bon voilà. Ça donne. Attends. Bon, il doit pas y avoir de connected texture pour le. C'est. J'arrive plus à parler. Une connected. Bon, texture connectée, j'arrive pas à le dire. Bon voilà. Avec le pack de la Deep, ça donne ça. Voilà. J'espère que tu es content. Désolé, j'ai plus ton pseudo en tête. Voilà. Donc, ça rend bien. Tu vois, ça rend bien. C'est plus sombre. Mais je veux dire, l'essence du build n'est pas changée. Peut-être pour ça, hein, c'est un peu le. Ça, c'est un petit peu problématique quand même avec marqué supply dessus. Mais parce que c'est un custom pack, donc ça se change. Mais bon, voilà, je veux dire, ça rend bien. Et le rose, il est vraiment rose. Hein. Oh, le rose est super rose. Non, tu vois, ça rend super bien, je trouve. Franchement. Alors, ouais, comme je t'ai dit. Comme je t'ai. Dammit! Mon Minecraft il a bugué! Ah non, il a juste lagué. D'accord. Ouais. Donc tu vois, ça rend bien. Voilà l'ambiance générale. C'est plus sombre. C'est plus sombre, mais c'est pas un problème. Mais voilà. Voilà. Petit aperçu avec un panier de texture. Oh, tiens, dernière chose. Regarde ce toit. Ce toit est absolument hideux. Voilà. Il ne rend pas bien en fait. On dirait un gros pénis que j'ai greffé au-dessus d'un toit et ça va pas bien. Ça va pas bien. On dirait que je vais te le mettre dans un de tes orifices. Donc ça va pas. Ça, ce toit, je vais le changer. Je vais faire un toit dans ce genre-là. Avec une ouverture. Enfin, ça sera mieux. Parce que là, en fait, ça fait trop arrondi. Ça fait arrondi, arrondi. Ça fait des grosses surfaces de bois. C'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, on va le virer. Mais sinon, le toit en lui-même, techniquement, il est bien fait, tu vois. C'est juste qu'en termes graphiques, il rend super mal. Il rend juste tellement mal. Donc voilà. Donc voilà, petite aparté. Comme quoi, tu vois, il faut faire des tests. Quand je te dis qu'il faut que tu fasses des tests, fais tes tests, tu regardes ce que ça donne, tu t'en bats les couilles, t'es sur Minecraft, tu peux supprimer derrière. Je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est pas comme si t'étais en train de jouer ta vie. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, et portez-vous bien, jusqu'à la prochaine. Oh, dammit! Bon, bah, vidéo, hein. Voilà pourquoi j'utilise pas de pack de texte, moi aussi. T'as pas compris que mon PC, c'est de la merde, là? Allez, salut! Regarde, on voit ma souris là maintenant, c'est n'importe quoi.